formation. Donc, je suis Mme Cécile Dénin et je suis directrice générale des écoles des SEMI. Le programme pédagogique a été élaboré par un comité pédagogique. Comme vous voyez dans le programme, on détaillera quel est le rôle et le contenu du travail du comité pédagogique. Il est représenté, parce qu'il y a d'autres personnes dans le comité, mais il est représenté par des personnes qui vont participer à la présentation et qui répondront à vos questions. Donc, je vais les laisser se présenter. Les parents.
Donc merci à tous pour votre présence et merci surtout aux enfants qui sont là. J'ai envie de les saluer, de dire bravo, parce qu'aujourd'hui vous démontrez que vous êtes déjà acteur de votre apprentissage, puisque vous voulez découvrir et être informé sur le programme de l'année prochaine dès maintenant. Et j'ai envie de les applaudir. Bravo. Alors, pour ma part, je vais vous parler des activités parascolaires qui sont une autre forme d'apprentissage qui complète toute la formation académique dont a parlé le directeur pédagogique, qui la complète pourquoi ? Parce qu'elle se concentre sur le volet développement personnel de l'enfant. Un enfant qui réussit, c'est un enfant qui ne réussit pas uniquement sa vie scolaire, c'est-à-dire la réussite juste à travers les notes, mais aussi son projet de vie. Et ça se prépare dès la maternelle. Et pour ceux qui étaient présents avec nous lors des séances d'information relatives à la maternelle ou primaire, ils ont vu qu'il y a un programme qui démarre dès la maternelle avec des objectifs précis à atteindre et qui va tout au long du cursus scolaire d'un enfant et de famille jusqu'au secondaire. Après, chaque âge a ses besoins, a ses attentes et ses aspirations. Donc on s'adapte à l'âge de l'enfant et à leurs besoins.